Salut à tous et bienvenue sur xboxlive.fr, c'est PlayGizWise. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser le nouvel économiseur d'écran sur la Xbox One. Cette feature est déjà disponible pour les Xbox Insider. La mise à jour publique sera disponible donc normalement en novembre ou octobre prochain. Et on va voir ensemble comment il a évolué. Alors, comment fonctionne l'économiseur d'écran? Alors, c'est assez simple, hein. Vous pouvez l'activer soit via la manette, donc en maintenant appuyé votre bouton guide comme si vous vouliez éteindre la console. Donc là, vous allez avoir un menu qui apparaît avec arrêter votre console, désactiver la manette et maintenant activer l'économiseur d'écran. Donc vous pouvez soit passer par là, soit vous pouvez aussi modifier les paramètres standards de cette option en allant dans les paramètres de la console. Donc il suffit ensuite d'aller dans préférences et là vous allez avoir un nouveau menu donc qui s'appelle IDLE options. Et donc là, vous allez pouvoir configurer comme vous voulez l'économiseur. Alors, comme vous voulez, c'est assez restreint parce qu'il n'y a que deux options. Soit vous activez les notifications et de l'autre, vous pouvez définir le temps à partir du moment où il va s'enclencher. Donc là, ça va de 2 minutes à 60 minutes. Donc là, c'est en fonction de vos envies. Ensuite, ben, vous allez avoir l'économiseur qui apparaît et les changements, c'est qu'au lieu d'avoir une sorte de film sombre qui apparaît, vous allez avoir justement ça, l'heure et aussi ben, vos amis en ligne, les plus récents et d'autres notifications qui pourront apparaître. Cette mise à jour donc, arrivera donc courant octobre, courant novembre, on ne sait pas encore exactement. Et pour l'instant, il n'y a que les Xbox Insider en phase alpha qui peuvent y accéder. Si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à les poser sur xboxlive.fr. Et moi, je vous dis à très bientôt. Salut à tous!